Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On continue pour les horoscopes du mois d'octobre et aujourd'hui, je vais vous parler des signes du Capricorne. Alors, j'ai choisi le tarot de Marseille ainsi qu'une carte du Petit Lenormand pour avoir un complément d'information, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du domaine sentimental, professionnel, financier au niveau des énergies physiques. Et puis la carte centrale nous parlera de l'énergie principale de ce mois-ci. Alors avant de commencer, vous le savez, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas possible, on est trop nombreux sur Terre. Donc, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose, et puis surtout, n'hésitez pas à aller écouter votre signe lunaire et votre signe ascendant. On regarde de suite la carte centrale, et nous avons la carte du battleur. C'est très bien, le battleur, c'est une très belle carte. Le battleur, il est malin, il est rusé, il est astucieux, il est dynamique, il est spontané, il aime bouger, il est curieux. Hein, beaucoup de curiosité pour vous ce mois-ci, envie peut-être de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc bien sûr, ça peut être tout ce que vous voulez, hein, c'est de nombreux projets. On commence un nouveau job, une nouvelle relation, une nouvelle activité, quel que soit votre projet que vous avez en tête, vous avez beaucoup d'atouts, hein, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous lancer. Hein. Maintenant, il faut simplement se faire confiance et puis aller de l'avant. Hein. On se lance. Alors attention malgré tout à pas trop s'éparpiller, hein, parce que le battleur, il peut commencer plusieurs choses à la fois et ne pas finir. Hein. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Ici, nous avons la carte du jugement qui nous parle de liberté, d'indépendance, c'est un renouveau, c'est une renaissance pour vous. Hein? Donc ici, ça peut être vous qui êtes libre, par exemple, vous êtes célibataire, vous venez de rompre, hein? Vous avez derrière vous une rupture, vous étiez un peu, vous étiez célibataire, pas un peu. Et puis maintenant, et ben voilà, vous êtes prêt à accueillir un nouvel amour dans votre vie. Et d'ailleurs, associé au battleur, ici, il y a un renouveau sur le plan affectif. Il pourrait y avoir une belle rencontre. C'est une rencontre au cours d'une sortie, mais c'est une rencontre inattendue, imprévue. Ça vous tombe dessus. C'est le ciel vraiment qui vous envoie ici quelqu'un sur votre route. On ne s'y attendait pas du tout. Pour l'instant, on s'était dit, allez, je reste un peu célibataire, comme ça je suis libre, je fais un petit peu ce que je veux. Ou alors le prochain ou la prochaine, ça sera chacun chez soi. Et puis patatras, non. Il y a une rencontre et puis vous êtes enthousiasme, exalté, euphorique, content, heureuse, heureux de commencer cette nouvelle relation. Alors on est tout au début de la relation. Hein. En tout cas, ça apporte de la gaieté, de la joie, de la spontanéité. On calcule rien, tout se fait naturellement. On a un bon feeling. Voilà, on se pose pas de questions, on ne se fait pas des plans sur la comète, un jour à la fois, mais en tout cas, on est bien. Hein. Pour d'autres personnes, ça peut représenter l'annonce d'une grossesse, hein, tout simplement. Vous êtes heureux d'annoncer que bah, voilà, vous êtes enceinte et qu'il y a un futur petit qui va arriver. En tout cas, ça peut nous parler également, voilà, quand je disais de liberté, d'indépendance, peut-être que vous venez de rompre et que vous avez envie de reprendre votre indépendance. Tout simplement, vous avez envie d'être libre, de faire ce que vous voulez, d'aller découvrir, d'aller à la rencontre d'autres personnes, de nouvelles amitiés, élargir votre horizon. En fait, hein. Donc, en tout cas, c'est que du bon, c'est que de la nouveauté qui arrive. On peut dire qu'il y a un nouveau démarrage, il y a une nouvelle vie qui commence, hein. Donc, il pourrait y avoir pour certains ici la rencontre d'un ex, où c'est des personnes du passé qui peuvent refaire surface, où vous pouvez apprendre que un tel que vous avez connu est revenu dans la région, ou qu'un tel s'est marié, ou qu'un tel a divorcé. Voilà, c'est des nouvelles du passé qui peuvent revenir. On va regarder avec le petit Lenormand, on a la carte du cercueil. Alors, généralement, cette carte annonce une fin, une séparation. Une rupture, en tout cas, c'est la fin d'une situation. Généralement, elle peut aussi
présager de la tristesse, bien sûr, du chagrin, de la solitude qui peut être parfois difficile à supporter, hein, ça peut être lourd, c'est douloureux, mais vous avez passé un cap. Ici, ça y est, vous avez passé un cap difficile, hein, vous avez souffert, ça vous a fait mal, cette séparation vous a peut-être, même c'est sûr, hein, une séparation c'est toujours blessant, ça fait mal, c'est une remise en question, c'est douloureux. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, maintenant, vous êtes prêt à accueillir la nouveauté dans votre vie. Hein. Donc, on peut dire que là, vous avez fait votre deuil d'une séparation. Vous avez fait le deuil de votre divorce, hein. Vous avez fait le deuil de votre vie de couple, hein. Vous vous êtes séparés, puis maintenant, ça y est, vous êtes prêt à accueillir une nouvelle vie devant vous. Vous êtes prêt à accueillir un nouvel amour dans votre vie, à vous ouvrir à l'autre, à aimer une nouvelle personne, hein. Donc, que du bon sur le plan sentimental. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Très bien, on a la roue de fortune. C'est la chance et la providence qui vient vous apporter un petit coup de pouce. Hein, donc là, ici, il va y avoir des opportunités à saisir. Par exemple, vous entendez dans un bruit de couloir qu'on cherche quelqu'un à tel endroit, qu'il y a un nouveau poste qui va s'ouvrir. Voilà, c'est une carte qui nous parle d'évolution. Hein, il faut avancer. Donc, vous avez toutes les cartes en main ici pour donner un petit coup de pouce à votre vie professionnelle. Un nouvel élan, en tout cas. Hein, donc, n'hésitez pas à demander une augmentation de salaire, un nouvel échelon, un nouveau grade. Peut-être que vous avez envie de prendre une nouvelle direction. D'ailleurs, vous pourriez commencer un nouveau job, d'ailleurs, par rapport à ça. Hein, on se dirige vers quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on faisait jusque maintenant. On commence une nouvelle activité professionnelle, si vous étiez au chômage, assez rapidement. Hein, ici, vous allez recevoir un courrier, un coup de fil qui vous annonce que vous commencez la semaine prochaine, par exemple. Hein, ça va aller très très vite en tout cas. Vous pouvez avancer, évoluer également très très vite dans votre carrière, hein, puisque là ici, il est temps ici de tourner cette manivelle pour faire tourner la roue à votre avantage. Hein, donc n'hésitez pas à faire une demande, quelle qu'elle soit. Vous voulez faire un stage, vous voulez faire une formation, vous voulez passer un diplôme, vous voulez ici développer vos compétences professionnelles, les mettre en avant. En tout cas, montrer que vous êtes quelqu'un qui s'adapte très facilement, vous êtes quelqu'un de polyvalent, vous touchez à tout, vous vous adaptez partout où vous allez, aussi bien à votre planning, à votre travail, qu'à votre entourage, aux collègues. On est polyvalent, on sait faire beaucoup de choses à la fois, on est débrouillard, on est malin. Donc tout ça, c'est des qualités qu'il va falloir utiliser pour faire avancer sa vie professionnelle. Et puis là, vous allez arriver à un choix, à un carrefour, une décision à prendre, un choix d'orientation. Hein. Donc regardez bien qu'est-ce que vous voulez faire. Hein, regardez où vous en êtes actuellement dans votre vie professionnelle. Quels sont vos atouts? Quels sont vos potentiels, mais quelles sont vos faiblesses également, hein, c'est important de les analyser pour justement mieux les surmonter, hein, les dépasser en tout cas. Donc voilà, ici il va falloir faire un choix, hein. En tout cas il est possible que vous preniez ici une nouvelle direction tout à fait opposée à ce que vous aviez jusque maintenant, jusqu'à présent. Hein. On prend un nouveau chemin. On se dirige vers autre chose, hein, peut-être une nouvelle carrière qui s'ouvre à vous. Alors ça peut parler de mouvement, de déplacement, de mutation, en tout cas ça y est, ça, c'est le moment, on se lance dans la vie active, hein. On sait où on veut aller, hein. Donc là ici regardez vous avez trois chemins différents, hein, donc voilà, vous avez la porte ici qui est grande ouverte devant vous. Il suffit simplement maintenant de la pousser et d'avancer. Dans le domaine financier maintenant, on a ici la carte du pape. C'est très bien, le pape, il apporte la paix, la sérénité, la tranquillité dans la gestion financière. Vous êtes quelqu'un de sage, de pondéré.
Vous savez gérer vos finances, il n'y a pas de grosses difficultés. Hein, voilà, vous êtes sage dans votre gestion, il n'y a pas de dépenses excessives. Et puis surtout avec le battleur, vous êtes débrouillard. Donc ici, vous allez trouver le moyen d'améliorer votre vie matérielle et financière. Ça peut parler de placement financier que vous allez commencer, peut-être pour votre retraite, dans un achat immobilier, par exemple. Hein. Voilà, on a envie en tout cas de s'investir, hein. Donc on se projette, hein. Ça peut être un rendez-vous bancaire, hein. Un rendez-vous avec un conseiller bancaire justement pour voir quel est le meilleur investissement, où on peut placer son argent, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour l'avenir, et puis surtout si vous avez l'envie de acheter une nouvelle voiture ou une nouvelle maison, hein, ça peut être un rendez-vous avec votre banquier. Alors, votre banquier, s'il est le pape, il vous accorde votre prêt, hein. Vous avez la validation de la banque pour ici acheter, vous installer dans une nouvelle demeure, hein. En tout cas, l'avenir est devant vous, hein, surtout avec la carte du battleur, hein. Il se lance, voilà. Même si ce n'est pas encore tout à fait stable, même s'il n'est pas sûr de tout son potentiel, malgré tout, il essaye, il se lance et puis eh ben, on verra. Et parfois, ben, ça marche parce que après, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui est enthousiasme face à la vie. Hein, donc voilà, hein, il se lance. Et puis, on a la carte du lys. Donc avec l'Ulysse, ben c'est pareil, hein, avec l'Ulysse ici, matériellement, ben l'équilibre est très bien maintenu, hein. Vous gérez avec sérieux, c'est une tranquillité d'esprit ici, hein. Donc tout va bien, voilà. S'il y a quelques difficultés, il peut y avoir des personnes de votre entourage qui viennent vous aider à surmonter toutes ces difficultés, ces préoccupations. Mais pour moi, ce mois-ci, il n'y en a pas. Hein. Au contraire, c'est tranquille, vous gérez bien, voilà, vous savez placer votre argent, vous êtes économe, vous investissez pour votre famille, vous êtes attentionné à l'éducation de vos enfants. Vous êtes protecteur, responsable, hein, donc il y a une gestion saine et sérieuse. Hein, donc bah, tout va bien, hein, y a rien à dire hein, au niveau financier, c'est que du bon. D'ailleurs, vous êtes en nette amélioration financière. Donc ici, peut-être un nouveau poste qui fait que vous avez une augmentation de salaire également. Au niveau des énergies physiques, c'est très bien. On a aussi la carte de tempérance. Alors, tempérance nous parle de douceur, de tranquillité, de calme également. On se sent bien, hein. On se repose. Besoin ici de se ressourcer, de se reposer également. On voit que les énergies physiques et morales sont ici excellentes, hein. Donc profitez, allez vous promener dans la nature. Vous allez peut-être prendre des soins, vous allez prendre soin de vous. On va se faire masser, on va se faire magnétiser. Voilà, hein. Il peut y avoir d'ailleurs une attirance par rapport à ça. Vous commencez peut-être une formation en lien avec tout ce qui est énergétique, tout ce qui est en lien avec les énergies qui nous entourent, le magnétisme par exemple. Hein. Et puis ici, on voit que vous êtes fort, vous êtes courageux, vous avez une grande force physique et morale, tout va bien, vous faites face aux épreuves, vous avez un bon caractère, voilà, vous savez montrer les dents quand il faut, hein, vous savez être protecteur de votre entourage, mais surtout, voilà, en ce moment, vous êtes bien dans votre peau, vous avez confiance en vous et vous avez raison. Hein, tout va bien ici au niveau des énergies physiques et morales. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et c'est la labradorite qui nous parle de protection, d'hypersensibilité et d'émotion. Une très belle carte. Alors c'est une belle pierre, hein, regardez, elle a des beaux reflets dans les tons bleus, un peu brillants. Voilà, là ici on le voit un peu mieux. Donc une pierre à porter sur soi, bien sûr, hein. C'est la pierre des soignants, c'est la pierre qui convient très bien aux psychologues,
aux aides-soignantes, aux infirmières, hein, parce qu'elle va capter les énergies négatives des personnes qui vous entourent. Hein. Quand on travaille dans le milieu hospitalier, par exemple, il y a de la souffrance, bien sûr. Hein. Donc c'est la pierre qui va capter, hein, elle va faire bouclier entre vous et le mal-être hein, des autres personnes qui vous entourent. Donc, on va regarder de suite son message que je vais vous lire. Alors, là, la bradorite, pierre de prédilection pour les hypersensibles et les empathies. La labradorite a pour rôle de vous protéger des énergies négatives en absorbant les émotions de votre entourage à votre place. Vous êtes naturellement sensible à l'écoute des autres et parfois perméable aux émotions qui vous entourent, ce qui peut être fatigant au quotidien. En effet, n'avez-vous pas des difficultés à poser des limites avec certaines personnes? Vous arrive-t-il de vous sentir fatigué après avoir côtoyé des personnes tristes ou négatives? Si c'est le cas, il est important de vous approprier, que vous appreniez, pardon, à vous protéger pour ne pas être affecté énergétiquement par votre entourage. Porter les difficultés d'autrui ne l'aidera pas à traverser les épreuves et risque de vous épuiser à long terme. Alors faites de votre sensibilité une force plutôt qu'une faille et apprenez à mettre des limites pour rester dans le respect de vous-même. Donc vous voyez ici avec la carte de l'ours, vous faites appel à votre force hein, pour ici poser des limites parce que l'ours il est gentil mais il grogne quand il faut défendre son territoire. Hein. Donc n'hésitez pas à faire comme l'ours. Hein. Faites appel à votre force, à votre courage et puis n'hésitez pas à poser des limites également. Donc maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne c'est la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Voilà pour vous mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas j'étais très heureuse de partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça fait vivre la chaîne, hein, ça lui donne de l'ampleur et puis bien sûr ça fait plaisir. Voilà, donc en tout cas, encore merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!